J'aime ça jouer aux poches. OK? Tu vas nous parler de ça? Oui, oui, puis restez là, vous allez comprendre. L'introduction est, est vraiment pas longue. Puis je parle pas de l'ancien jeu de poche là, qu'on achetait chez Sears là, avec les nœuds trous puis le point 500 dans le milieu. Je parle pas de ça. Je nous parle du jeu de poche qu'on appelle le cornhole. OK? Et le fameux jeu de cornhole, aux États-Unis, c'est même plus fort qu'ici au Québec. C'est fou à quel point. Écoute, même dans mon voyage, je suis allé dans un pub extérieur à Boston, pas loin du Fenway Park. Puis au pub, sur le gazon, il installait gratuitement des jeux de cornhole, des jeux de poche. Le fameux, c'est un gros jeu de poche. Vous avez peut-être vu ça dernièrement. Là, c'est un jeu de poche d'à peu près 3 pieds, 3 quarts par 2 pieds et demi avec un trou dans le milieu. Là. J'aime bien ça, jouer à ça. Puis, j'ai joué, on buvait de la bière. On buvait la bière là-bas, locale, aux États-Unis, brassée à la brasserie. Puis, sur le bout de gazon, il y avait comme 5 jeux de poche. Puis, on s'amusait, on jouait aux poches. J'ai mangé une volée en eau internationale. Là, je m'amuse à dire ça. Mais c'était fort agréable. Puis, pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que dans la région ici du Saguenay-Lac-Saint-Jean, on a des gens qui sont très, mais très performants dans toute l'histoire. Puis on a un dude qui s'appelle Guillaume Morin, qui fait partie des tops à chaque année au niveau du championnat canadien. Le gagné finit deuxième, il saura nous le dire là, au cours des dernières années, mais il est excellent aux poches. Puis là, il s'en va, c'est niaiseux, là, mais comme je disais tantôt, à l'international. Il s'en va jouer aux poches, représenter le Canada à l'international. Puis on va aller chercher les informations, puis on y parle ce matin. Guillaume Morin est avec nous. Guillaume, bon matin. Bon matin. Guillaume, là, dis-moi, là, et au niveau de ce que je te disais, là, comment être en introduction, championnat canadien, t'as déjà été le champion, t'es rendu où dans le classement canadien? Là? T'es-tu encore au premier rang? Là? T'es rendu où là-dedans au Canada? Là? Ben, dans le fond, nous autres au Canada, c'est un circuit pro, puis... Les positions, c'est plus compliqué un peu. J'ai fini premier au Québec l'année passée. C'est ma première année sur le circuit là, ACL avec toute l'international. OK. On a fait la qualification pour le Team Canada à Newfoundland. Et à Newfoundland, on était 48. Puis ils prenaient les 6 premiers pour représenter le Canada. Et là, tu fais partie des 6 premiers qui représentent le Canada, c'est ça? Oui, c'est ça. OK. Là, vous... Là, moi, dans le fond, là, chaque dans le fond, moi, j'ai fini top 2 parce qu'on y allait avec... il sortait le top 2, il sortait le top 4. Après ça, il allait chercher le top 6. Fait que j'ai fini dans les deux premiers dans la qualification pour partir là-bas. Puis là, tu t'en vas où, là? Qu'est-ce qui se passe dans les prochains jours avec Team Canada? Et d'un, vous êtes combien à partir en gang? Puis vous allez où, là? Ben là, dans le fond, on s'en va à Trèves, en Allemagne. Là-bas, on va jouer vendredi, le 13. Il y a 28 pays représentés là-bas. 28 pays. Vous êtes combien à partir en gang du Québec pour aller là-bas en Allemagne? Du Québec, on est 2. Après ça, il y a 3 gars de l'Ontario. Puis il y a un gars de Terre-Neuve qui est là-bas déjà. Fait que dans le fond, on est 6. C'est 3 duos que ça prend pour la Coupe du Monde. Après ça, on est 4. On est 4 pays par bloc. Fait que quand on va arriver là-bas, là, la première tranche qu'on a à passer, là, c'est on va jouer contre la Suède, contre les Pays-Bas, contre la Lituania. Puis ça, ben, ils vont prendre les deux premiers par la suite pour se classer pour les quarts de finale. Là. OK. Ta passion pour ce. C'est un jeu qui, écoute, moi, la plupart des gens ont découvert ça à peu près il y a 3 ans, 4 ans dans ce coin-là.
ta passion pour les poches, personnellement, ça a commencé quand? Ben, ça, la passion pour les poches, on a toujours joué aux poches au camping, puis dans les soirées, des parties de famille, ça c'est clair. Moi, ça, la vraie passion, ça a commencé en début 2022, j'ai parti faire un tournoi à Sherbrooke avec mon père. Puis on est arrivé là-bas, c'était le premier tournoi à 27 pieds de Kono qu'on appelle aujourd'hui. Puis c'est là que la passion a vraiment décollé. On est allé là-bas, on avait gagné le tournoi à Sherbrooke, puis on avait redescendu. Puis à partir de là, ben j'ai vraiment mis l'emphase puis le temps nécessaire pour de pratique pour être capable d'évoluer sur ce circuit-là. C'est bon. Avec qui vous montez? Tu me l'as dit là, au niveau d'où proviennent les gars. L'autre personne du Québec, c'est qui monte avec toi? C'est Carl Menard du Saguenay. OK, parfait. Est-ce que c'est la première fois que tu vas faire un tournoi international en dehors du Canada? Oui, pour moi, c'est la première expérience. Moi, pour cette année-là, dans le fond, c'était ma première expérience aussi à l'extérieur du Québec. J'ai fini premier au Québec l'année passée avec la CQ. Mais pour cette année, c'était la première fois que j'allais faire des tournois à l'extérieur du Québec. Puis là, ça va être vraiment la première fois à l'extérieur du Canada aussi. Là. Est-ce que en Allemagne, c'est un des plus gros tournois à travers le monde? Est-ce que ça se produit souvent là-bas ou c'est quelque chose qui se promène de pays en pays? Ben, ça se promène de pays en pays. L'année passée, la Coupe du Monde, on était en France, à Paris. Là, c'est à Trèves, en Allemagne. Fait que, tu sais, c'est vraiment là, la Coupe du Monde. Là. Mais, tu sais, ça joue aussi au Kono là-bas parce que, dans le fond, l'Allemagne, ils ont une équipe aussi. Là. Fait que, tu sais, ça doit jouer là-bas, mais, tu sais, je peux pas vous dire si c'est du gros calibre ou pas. C'est ça, on va le voir vraiment. Avec les performances de la boule. Est-ce que c'est la coupe? La réponse, évidemment, est supposée être oui, là, mais je la pose quand même. C'est-tu, des fois, il y a toutes sortes de tournois à gauche pas à droite, c'est-tu le plus gros tournoi de poche cornhole au monde, la Coupe du monde? La réponse est supposée être oui, c'est ça? Ben oui, c'est le tournoi, dans le fond, que chaque... C'est que c'est la seule occasion qu'on a de s'affronter avec les autres pays là, qu'on va affronter en fin de semaine. OK, parfait. Comment, tu sais, je veux dire, au jouer aux poches, là, tu fais ta game, là. Y a-tu une préparation à avoir pour dire, évidemment, on s'entend que tu es d'un meilleur, puis mettre la poche dans le trou pour toi, c'est pas compliqué, là. Mais y a-tu une préparation différente à faire ou... pour un gros tournoi de même? Ben, c'est sûr qu'il y a des stratégies à adopter. Ça va être avec Carl que je vais parler de ça parce que moi, dans le fond, je vais jouer en duo avec Carl. C'est sûr qu'il y a des stratégies. C'est sûr que, tu sais, il y a une préparation mentale aussi à faire. Faut faire des sacrifices là-dessus. C'est sûr que les derniers temps, là, j'ai eu beaucoup de temps à pratiquer puis. Tu sais, je suis quand même chanceux parce que, tu sais, ma famille est derrière moi et elle me permet de mettre le temps nécessaire de pratique. Mais, tu sais, oui, c'est sûr que pour aller dans un tournoi comme ça, là, ça prend certains sacrifices. Écoute, là, j'imagine les gens qui nous écoutent qui font comme, man, le matin, ils parlent de poche, puis en plus, ils parlent de stratégie. Hey, c'est une gang de weird. C'est quoi les stratégies? C'est quoi une stratégie pour un jeu de poche? Pour dire, écoute, dans tel tournoi contre les Russes, on va jouer de telle façon. C'est quoi une stratégie qui existe? Donne-moi deux exemples de stratégies. Ben, une des stratégies qu'on peut adopter, c'est que on peut toujours mettre, nous autres, on appelle ça mettre des blocs. T'sais, on va essayer de placer la poche juste à l'avant du trou. Fait que comme ça, là, le trou va être bloqué. Fait que là, lui, l'adversaire, faut qu'il essaye de passer directement par-dessus ou qu'il essaye de passer par le côté, mais c'est risqué que sa poche sorte à l'extérieur du jeu.
Fait que comme ça, ça donne la chance de faire des points. Fait que ça, ça n'est une stratégie. Sinon, l'autre stratégie qu'on peut adopter, c'est de forcer juste le trou tout le temps. Fait qu'on l'envoie dans le trou, dans le trou, dans le trou, dans le trou, puis c'est lui qui va arrêter, c'est lui qui va manquer un trou. C'est parce que, tu sais, il faut pas se le cacher, là. Nous autres, si on met la poche sur le dessus, des fois, on va accorder 2 points, là. Tu sais, elle a même pas tombé à terre. Fait que ça joue entre 12 puis 10, fait qu'on fait 2, là. Ouais. C'est-tu le premier tournoi, le championnat mondial, ou ça fait une couple d'années qu'il y en a de ça? Je suis curieux, je suis pas au courant, évidemment. Puis c'est clair que quand on ouvre RDS à Sport 30, il commence pas comme ça, ça, c'est pas la première nouvelle, là. Ils vont parler du gardien auxiliaire du Canadien avant de parler des poches, là. Oh, ben nous autres, là, dans le fond, le Canada, c'est la troisième équipe qu'on envoie au championnat du monde. C'est okay. Parce que, tu sais, le Canada, c'est encore jeune, le Cono, là. Fait que nous autres, c'est la troisième année qu'on va au championnat du monde. Les deux autres années, le Canada avait fini sur le podium, il avait fini troisième. Fait que, tu sais, à travers le monde, le Canada a quand même une bonne réputation, là. Puis je pense que cette année, là, on a quand même une bonne équipe, là, avec les joueurs qu'on a pour le Canada. Fait que je pense qu'on a la chance de au moins de viser le podium. Puis je pense qu'on on peut être aspirant, là, pour se rendre en finale vendredi soir. Puis comme je disais, mettons qu'on réussit à accrocher une personne ou deux qui fait « Ah ouais, je jouerais ça, je savais même pas qu'il y avait des tournois de ça, là, tu sais. » Mettons, puis comme je disais aussi avec RDS, on parle de ça en deuxième nouvelle, puis je suis pas sûr non plus que tu vas être sur TVA Sport 2, 3, 4, là, à travers ça, mais y a-t-il une façon de vous suivre durant votre périple là-bas? Oui, dans le fond, on va partager un lien. Ce lien-là donne accès au cours central. Nous, on appelle ça le cours central. Fait que là-bas, là, c'est un système de caméra. C'est sur ESPN aussi, là, sur Internet. Fait que nous autres, on partage toujours un lien qui se promène sur Facebook. Vous cliquez sur le lien sur Facebook, puis ça vous donne accès, là, à tous les matchs qui vont jouer sur le cours central, là, durant toute la journée. Là. OK. Là, pendant que je te parle, je suis sur Facebook. Dis-moi, quelle page faut que j'aille voir, là? Je veux aller en même temps y aller pendant qu'on se parle, là. C'est sur quelle page? Ah, ben là, dans le fond, il est pas là encore. On va le partager. Mais sinon, tu peux aller sur ACL Canada. OK. ACL Canada, puis tu vas voir les anciens qui s'est passé. Parce que dans le fond, quand ça se joue pas, on voit rien, là. Les caméras sont pas ouvertes. OK. ACL Canada. Canada. Open. ACL Canada. OK, parfait. ACL Canada, ouais. Excellent. Fait que, écoute, on va mettre ça. Là, première game, c'est jeudi. C'est vendredi. 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 Oui. Vendredi, oui. Mais tu sais, nous autres, on commence à 9h, vendredi matin. Ça veut dire que l'heure du Québec, là, il va être à peu près à 3h du matin. Ouais. Ça va être en replay, je suppose, aussi. Oui, c'est ça. Ça va être. Tu sais, quand on clique sur le lien, on est toujours capable de regarder ce qui s'est passé avant. Puis les finales, dans le fond, les demi-finales finales de la Coupe du Monde vont jouer. Les demi-finales vont commencer à 2h du Québec. OK. La journée de samedi au dimanche? De vendredi. Ah, vendredi. OK. Parfait. Ouais, ça joue tout dans la même journée à la Coupe du Monde. Ah ouais. Fait qu'on joue nos qualifications le matin, les quarts de finale le matin. Après ça, on a un break toute la journée. Puis après ça, à 8 heures, heure de trêve, on va commencer les demi-finales. Ça veut dire qu'à partir de 2 heures, ça va être les demi-finales qui vont commencer heure du Québec. Mais écoute, aller jouer en terminant, là, aller jouer comme ça en Allemagne, là, ça coûte de l'argent, là. Je veux dire, qui sponsorise ça? Qui paye ça? Je veux dire, c'est quand même un gros voyage. Je partirai pas en Allemagne demain matin, moi, là. Comment ça fonctionne, là, au niveau financier? Ben, j'ai quand même plusieurs commanditaires, là. Je suis quand même chanceux, tu sais, Perron, Megavac, tu sais, puis que je remercie tous mes commanditaires parce que
sans eux autres, je pourrais pas me permettre de partir loin de main. Fait que j'ai Perron Megavac, j'ai Excavation GJNP, j'ai Maison de l'Auto-Robert-Vert, j'ai Le Beau Vitre de l'Auto-Robert-Vert, j'ai Groupe des Mex à Chicoutimi. Je vais sûrement en oublier, mais sans eux, là, c'est sûr que je pourrais pas. Pourrais pas partir sur des tournois à cette ampleur-là. Fait que dans le fond, c'est toi qui vas chercher tes propres commanditaires pour aller faire un tour là-bas, c'est ça? Oui. C'est nous autres qui trouvons les commanditaires, là. C'est nous autres qui trouvons nos propres commanditaires, là, quand on part à l'extérieur comme ça. OK. Ben, écoute, bonne chance. Écoute, on va suivre ça vendredi, puis... On va voir où c'est que vous allez vous classer. Belle aventure pour vous autres, les boys. Parfait, merci. Merci, au revoir. Guillaume Morin qui s'en va jouer aux poches en Allemagne. Non, mais c'est hot pareil. C'est quand même hot, OK? Fait que ACL Québec, là, comme on dit, ACL Canada, pour suivre ça sur les réseaux sociaux. Bon, voilà, OK? C'est cute, c'est le fun, on aime ça. Là, je vous ai parlé d'intimidation. Ça, Trump, on a fait quand même un pas pire bout de ses coudes à travers ça. Dans les autres sujets, local, je vous le dis, là, c'est tranquille ce matin. Il se passe très peu de choses d'un point de vue local, outre le fait que, je vous l'ai dit tantôt, là, il y a eu la sortie hier gouvernementale, la sortie syndicale contre le gouvernement en disant « Faites de quoi pour l'industrie forestière? » C'est pas mal la seule chose qui a bougé dans l'actualité. OK? Fait que ça ressemble à ça. Avez-vous déjà joué aux poches, vous autres? C'est-tu quelque chose que vous avez déjà fait dans la vie? Moi, je trippe. Je trippe vraiment, je vois ça. Je suis mauvais. Écoute... Il faut être mou de partout, puis ça prend du visou à travers ça. C'est comme jouer au dard, là. C'est le même genre d'affaires. Vous allez dire, certains vont dire que c'est très différent. Oui, là. À vous de jouer à ça, êtes-vous un joueur? Je sais que Karine, qui nous écoute, est une joueuse. Puis j'ai déjà joué contre elle, puis j'avais mangé une volée. Mais fait qu'à vous de jouer à ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment cool.